Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons l'actualité lyonnaise avec Raphaël Ruffier-Fossoul, Damien Gouy-Perret, l'ancien député Emmanuel Hamelin et l'ex-élu lyonnais Romain Blachier. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour. Trois sujets soumis au débat du jour, les émeutes, les drag queens et les villes où il fait bon vivre. L'agglomération lyonnaise a eu droit à une seconde nuit de violences urbaines suite à la mort du jeune Naël à Nanterre, des dégradations des bâtiments et des véhicules incendiés, des policiers blessés, une poignée d'interpellations. Alors intéressons-nous aux réactions de nos élus lyonnais. Il y a d'abord eu Grégory Doucet en ouverture du conseil municipal jeudi matin qui a condamné la violence. Pour autant, et là je le cite, le maire de Lyon a dit que nous devons en particulier, en tant que responsable politique, savoir comprendre et entendre ce que la colère signifie. Bruno Bernard à la métropole a lui concentré ses efforts sur le retour au calme et la dénonciation des émeutes. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, a annoncé comprendre la colère, mais rien ne justifie les dégradations selon lui. Et puis la droite a été un peu aux abonnés absents. Est-ce que vous pensez autour de la table que tout le monde a été bien dans son rôle ? Romain. Moi, je trouve que tout le monde a été bien dans son rôle, si ce n'est que, on en parlait tout à l'heure avant de commencer cette émission, il y a quelque chose qui est très inquiétant dans ce pays, c'est qu'on a l'impression que chacun a ses morts. C'est-à-dire que vous avez eu le cas, il y a quelques étés, là, de cette jeune femme qui s'était retrouvée tirée par un véhicule et qui était qui avait décédé... Axel Daurier, voilà, tout à fait. Qui avait indigné certains et pas d'autres. Là, on a le cas du jeune Naël qui indigne certains et pas d'autres, alors qu'on devrait toutes et tous s'indigner de l'ensemble des violences qui peuvent arriver dans ce pays. Il y a des violences qui se déroulent effectivement dans les quartiers populaires. Il faut quand même noter que la très très grande majorité des habitants des quartiers populaires ne participent pas à ces violences-là, même si elles peuvent être spectaculaires, même si, effectivement, il y a des quartiers qui s'embrasent dans la métropole de Lyon. Mais voilà, on explique que les quartiers populaires s'embrasent, c'est quelques jeunes des quartiers populaires qui s'embrasent. Ça donne des résultats qui sont atroces. Hein. Je pense à celles et ceux qui travaillent à Bron, qui travaillent à Saint-Fond, qui travaillent à Mes Yeux et qui subissent ces violences-là. Mais évidemment, fort heureusement, c'est peu de monde dedans. Par contre, moi, j'ai vraiment peur d'une France qui a ses indignations à géométrie variable. Je vois certains députés s'énerver quand c'est Axel Daurier, mais pas quand c'est Naël. D'autres, quand c'est Naël, c'est grave, mais pas quand c'est Daurier. Et je pense qu'il faut faire attention à toutes les victimes. Et j'ai peur de cette fracturation en France sur ces points de vue-là. Donc Romain est plutôt sur la ligne de Grégory Doucet qui est de comprendre la colère. Emmanuel, vous mais avez... Il faut attention, mais les forces de police, évidemment. Moi, je suis également dans un soutien aux forces de police pour qu'elles rétablissent la situation, parce que c'est inadmissible qu'on brûle les voitures, notamment d'habitants des quartiers populaires, dans ce genre de situation. Emmanuel, les discours locaux étaient les bons ? Moi, je pense que globalement, les discours globaux ont été bons, ont été bons dans le sens où ils ont appelé à l'apaisement, au calme, etc. Donc, on peut se réjouir de ça. Après, évidemment, quand Jean Doucet dit qu'il faut comprendre la colère, quand il y a des violences urbaines, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'il y a un problème quoi, social, un problème de logement urbain. Je ne sais pas ce que ça veut dire comprendre la colère. Moi, je suis assez d'accord avec Romain. Effectivement, on peut s'indigner systématiquement. Mais je dis bien systématiquement, chaque fois qu'il y a une injustice sur une personne, sur dans le cadre d'une agression, d'une attaque, voire d'un meurtre ou d'un décès, des choses comme ça. Bon, c'est pas le cas, on peut le regretter. Mais pour autant, c'est pas pour ça que je dis il faut comprendre la colère. Moi, je sais pas ce que ça veut dire comprendre la colère. Moi, je suis par contre indigné quand j'entends certains élus, notamment de la NUPES, qui disent je n'appelle pas à l'apaisement, j'appelle à la justice. Qu'est-ce que ça veut dire ? La justice n'a pas faibli sur cette histoire-là, dans le cadre de Naël. Elle suit son cours. Justice, non, mais non seulement elle suit son cours, mais elle a fait son boulot. C'est vrai. Quand même, on ne peut pas dire qu'il y a eu une justice à différents niveaux ou à différentes vitesses, etc., parce que c'est un policier. Mais pas du tout. Certains vous rétorqueront qu'elle fait son boulot parce qu'il y a eu pression populaire. Alors, peut-être. Parce qu'il y a eu une vidéo, quand même. Non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas de ça dont je parle, c'est que le bras armé, le bras de la justice n'a pas faibli. Donc le policier a été mis en examen, il est aujourd'hui écroué, donc l'enquête suit son cours, donc il n'y a rien à dire sur l'action de la justice. Elle s'est faite plutôt bien. Donc quand j'entends des élus qui disent « moi je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice », qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça, en fait, il n'appelle pas au calme. On ne peut pas mettre ça en parallèle, on ne peut pas dire c'est ça ou ça. Pas du tout. Là, il faut systématiquement condamner les violences urbaines qui se déroulent en ce moment dans un certain nombre de villes, les condamner fermement. Il y a 250 policiers hier soir qui ont été blessés, etc. Il y a des jets de roquettes, des bâtiments qui brûlent. Enfin, bon, ça c'est pas acceptable. Après, quand on dit il faut comprendre ça, mais où il faut comprendre ? Il faut refuser ce genre de choses-là. On ne peut pas se contenter de dire il faut réfléchir à ci ou ça. Il faut condamner fermement ce genre de violence et basta, quoi. Voilà. Raphaël ? Après, je suis pas vraiment en différence avec ce qui a été dit. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma soirée à faire le tour des banlieues de l'agglomération lyonnaise. C'est vrai, quand on fait le tour comme ça, ce qu'on voit en fait en réalité, c'est une ville assez calme. C'est des habitants qui vaquent à leurs occupations, c'est des terrasses qui continuent d'exister dans les quartiers populaires. Alors c'était assez noir, etc. Mais il y avait beaucoup de gens, il n'y avait plus de lumière, mais il y avait beaucoup de gens dans la rue très calme. Et puis bah voilà, donc on constate effectivement qu'il y a très peu de gens, mais qui font effectivement beaucoup de dégâts. Poche d'ultra-violence. Oui, et dans des coins relativement limités. C'est vrai, ça fait beaucoup de communes parce qu'ils passent d'une commune à l'autre, mais en fait, c'est des zones qui sont assez frontalières. Alors, je ne suis pas du tout en train de minimiser, hein, je raconte juste ce que j'ai vu hier soir. Après, je suis assez d'accord avec ce qui avait été dit. Ce qui est quand même, quand on parle de d'où vient cette colère, il y a effectivement des indignations à géométrie variable. Et là, ce qu'on a, c'est quand même la question des violences policières. Dans celle-là, elle n'est pas du tout. Elle est posée parce qu'il y a une vidéo, en fait. Mais on sait très bien que s'il n'y avait pas eu de vidéo, les commentaires politiques n'auraient pas été tout à fait les mêmes. Et ce qu'entendent beaucoup de gens, c'est régulièrement dans ce genre d'incident, c'est la négation même de l'existence de violences policières. Cette fois-là, il y a une vidéo qui vient poser le débat. Enfin, qui vient. Ouais, il y aurait quand même. On a vécu les gilets jaunes. Je trouve qu'il y a depuis une dizaine d'années de vraies questions sur le maintien de l'ordre en France, qu'il est temps de poser de manière apaisée. Damien, juste sur la violence policière, je pense qu'il n'y a pas un flic qui se réveille le matin en se disant aujourd'hui je vais buter quelqu'un. Donc je pense pas que on soit dans une démarche volontaire. Effectivement, là il y a une vidéo. Sûr. Moi honnêtement, je préjuge de rien. Il y a peut-être des circonstances. Il y avait peut-être quelqu'un dans la voiture qui était armé, qui braquait le policier. Je ne sais pas. On le saurait. On va peut-être le savoir. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas. Je suis pas comme ces politiques qui tirent la couverture d'un côté ou de l'autre pour justement faire de la politique politicienne sur un fait comme ça. Effectivement, je pense que on ne peut être que désolé de cette situation et ça ne peut pas être à géométrie variable très clairement. Maintenant, sur les prises de parole de nos élus lyonnais. Je trouve qu'il faut le faire parce que c'est sûr que ce n'est pas les gamins de 12 à 14 ans qui foutent le feu aux voitures qui vont entendre Bruno Bernard parce que déjà leurs parents ne savent pas qui est Bruno Bernard. Donc j'imagine qu'eux ne l'entendent pas. Mais je pense que le vrai message à faire passer de la part des politiques, c'est de dire aux parents, gardez vos gamins chez vous. Ce n'est pas normal. Je me suis baladé hier soir aussi. J'ai vu des incendies à droite et à gauche. Les seules personnes que j'ai croisées, c'est des activistes de 12 à 16 ans, quoi. Il y a une vraie responsabilité des parents. Et je pense que nos politiques devraient, quand ils prennent la parole, déjà dire « Parents, gardez vos enfants chez vous, vous êtes responsables et c'est vous qui en subissez les conséquences. » Puisqu'effectivement, les voitures qui brûlent, c'est leur outil de travail, la poste qui brûle, la crèche qui brûle, tout ça, c'est leur quotidien. Et en fait, ils laissent leurs enfants détruire leur propre quotidien. Et je pense que le rôle des politiques, c'est ça. Et c'est pas d'entendre dire d'un côté... L'extrême droite, de toute façon, systématiquement défendre les policiers. L'extrême gauche, systématiquement dire c'est un assassinat racisé. J'ai entendu ça. C'est la première réaction que j'ai entendue dans la bouche de quelqu'un de la NUPES. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, quoi ? L'image circulait depuis 10 minutes sur les réseaux sociaux et déjà, c'était un assassinat raciste. Je suis incapable de savoir quelle était la couleur de peau de Naël. Je ne le savais pas à ce moment-là. Eux, ils le savaient. Non plus. Et eux, ils le savaient. D'ailleurs, je ne sais toujours pas quelle est la couleur de sa peau. Donc ça me gêne beaucoup que les politiques fassent vraiment de la récup. Je pense qu'il faut que la justice passe. Et pour l'instant, le job a été fait par la police et par la justice, par la police des polices et par la justice. On verra ce qui arrivera derrière. Mais moi, la récupération politique systématique, ça me pose un vrai problème. Et ce qui me pose un problème, c'est de voir des gens qui, dans leur quotidien, ne vont plus avoir de véhicule pour aller bosser. Et ce sont les gens les plus pauvres qui en subissent le plus les conséquences.
Alors, pour clore le sujet, question rapide et réponse rapide de votre part. On n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui va pouvoir être annoncé aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou local. On ne sait pas non plus quelle météo il va y avoir, parce que ça compte un peu aussi dans les émeutes. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi du festival entre Rhône et Saône à Lyon, qui va durer tout le week-end. Est-ce qu'il faut l'annuler ou est-ce qu'il faut surtout pas et il faut le maintenir ? Il faut maintenir ce festival qui a été quelque chose de très intéressant l'année dernière, qui est une véritable réappropriation des fleuves lyonnais. Je pense que... j'imagine pas qu'il va y avoir des émeutes autour de ce festival qui en plus est disséminé à différents endroits de la ville. C'est un vrai marqueur du mandat de Grégory Doucet. Ça avait été plutôt une réussite l'année dernière. Mmh. Pas de raison de l'annuler. Des réponses un peu plus rapides, Emmanuel ? Non, moi je pense pas qu'il fasse l'annuler. Enfin, on n'est pas non plus sur la situation entre Rhône et Saône de problèmes d'émeutes ou de violences urbaines. On ne peut pas brûler la Saône. Voilà, puis on ne va pas arrêter toute la vie de la ville et de la métropole parce qu'il y a des violences urbaines, surtout dans la métropole, plus que dans la ville, me semble-t-il. Donc non, moi je ne suis pas pour qu'on l'arrête. Damien Raphaël, effectivement, on n'est pas du tout dans la même situation que Gérard Collomb. Je n'ai pas d'informations sur... Non, pas d'informations, mais est-ce que selon vous, ça devrait être le cas ? Si j'arrêtais le festival, c'est pour son contenu, c'est pas à cause du risque. Parce que pour l'instant, moi, je n'ai pas eu d'effet waouh. Ouais, j'attends de voir cette année ce que ça va donner. Je ne pense pas qu'il y ait un gros risque, honnêtement. Très bien. Je vous propose de passer à notre deuxième sujet, qui concerne la polémique autour d'une séance de lecture de contes par des drag queens, une séance qui était ouverte aux enfants de 6 à 10 ans. C'était mercredi, dans la salle du conseil de la mairie du 9e arrondissement. Le parti Reconquête et les identitaires des remparts avaient réclamé l'annulation de l'événement, tandis que les écologistes annonçaient plus d'une quarantaine d'enfants inscrits. Finalement, il n'était que 8, certains dont les parents étaient élus ou militants. Bref, tout ça pour ça. Alors ma question, c'est est-ce que finalement, que ce soit l'extrême droite ou les Verts, est-ce qu'on n'en a pas trop fait autour d'un événement qui n'a intéressé personne ? Damien ? Moi, ce qui me gêne, c'est que je suis sur la ligne de dire on n'a pas à les influer auprès d'enfants pour peu importe le combat politique. Peu importe l'idée qu'on va défendre, je pense qu'on n'a pas influé auprès d'enfants. Donc, je ne suis pas partisan de ce genre de choses. Ce qui me gêne, c'est que plutôt que de lancer un débat... Je ne suis pas partisan de la mobilisation de l'extrême droite. Justement, c'est la fin de ma phrase. Ce qui me gêne... c'est que plutôt que d'en débattre intelligemment autour d'une table, comme on essaie de le faire ici, ce sont des sujets dont s'empare l'extrême droite, s'en empare de façon à empêcher les gens qui sont au milieu prêts à en débattre d'en parler. Donc on a un combat d'extrême face à un combat d'extrême. Donc les extrêmes qui sont pour du prosélytisme, de minorité, je ne sais pas si on appelle, je ne sais plus comment il faut appeler pour ne pas froisser, et puis un combat d'extrême droite qui est systématiquement contre tout. Au milieu, 95% de la population... ose même plus aborder le sujet de peur de se faire taper dessus, alors qu'il y a peut-être un sujet, ça mérite d'en parler. Moi, je suis contre, mais ça mérite d'en parler, de débattre. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quand on prend une position, on est ou un dangereux facho, ou un dangereux extrême gaucho. Je comprends pas le problème. Des lectures pour enfants dans des bibliothèques ou des mairies, ça existe. Quel est le souci ? Mais c'est pas le problème. La démarche, la démarche intellectuelle, c'est pourquoi aller chercher des drag queens pour le faire ? Je peux faire des lectures pour enfants aussi. Mais parce que ces drag queens, il ne faut pas qu'ils en fassent ? Mais c'est parce qu'on est dans une démarche très clairement d'essayer d'installer, mais le débat est plus profond, on ne peut pas le faire en trois minutes. Quel est le souci, en fait ? D'essayer d'installer, de faire passer des messages par des minorités en donnant à des gamins qui vont, à un moment ou à un autre, être influés. Mais je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, je dis que personnellement... Vous allez dire qu'il y a un problème, On peut faire une pause, simplement, parce qu'on touche au sujet. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants ? Une lecture pour enfants ? Avec des drag queens. Oui, c'est ça, parce que alors, simplement, en partant du principe que dans votre vie, si vous n'allez pas voir un spectacle de drag queen, vous avez assez peu de chances d'en croiser dans la rue. Romain, qu'est-ce que ça apporte aux enfants ? Alors, moi, j'ai organisé, lorsque j'étais adjoint à la culture du 7e arrondissement, des lectures dans la bibliothèque de la Guillotière avec des drag queens. Oui. Donc, d'ailleurs, à l'époque, Reconquête n'existait pas, divers mouvements n'existaient pas. Pourquoi j'ai organisé une lecture avec les drag queens ? Déjà parce qu'il y a eu une proposition d'une association qui voulait en parler, justement, de la question du genre. Ça, c'est pas un bon argument. Voilà, auprès de ça. Et puis, pour essayer, justement, un peu de dédramatiser la chose auprès des parents. Donc, il y a une lecture de contes pour enfants classiques. Et puis, un échange sur pourquoi est-ce que ce garçon était déguisé en fille ? Comment est-ce qu'il se ressentait ? Pourquoi est-ce qu'il avait cette démarche-là ? Est-ce qu'il se sentait fille ? Est-ce qu'il se sentait plutôt garçon ? Mais avec un échange un peu à bâton rompu avec les enfants là-dessus, mais pas du tout une opération de propagande de dire, comme ce qu'on a pu voir de la part de Reconquête, sur « Ah, attention, j'ai envie que tous les enfants du 7e deviennent drag queen et qu'ils fassent des choses absolument horribles ».
Moi-même, je vous rassure, hein, j'ai jamais été drag queen de ma vie. J'ai pas spécialement l'intention de le devenir ou que mes enfants le soient. Mais ça me semblait intéressant qu'il y ait un temps d'échange balisé avec du personnel éducatif, avec du personnel des bibliothèques, pour pouvoir en parler. Parce que certes, on n'est pas forcément confronté dans son quotidien aux drag queens, mais c'est des choses qui peuvent passer à la télévision, c'est des choses qui peuvent passer sur Internet. Et c'est intéressant aussi que ça puisse être adopté dans un cadre adapté et pas forcément dans la sauvagerie médiatique. Raphaël ? Pas mieux. Je sais pas pourquoi il y a. En fait, c'est un sujet sur lequel je me disais, mais en fait, j'ai pas grand chose à dire. Je comprends pas le sujet. Oui, oui. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est un combat idéologique qui est parti de l'extrême droite américaine, qui donc ça dure depuis une dizaine d'années. Et c'est un combat idéologique aussi, hein. qui est en train d'être gagné. On l'a vu avec les reculs qu'il y a pu avoir sur l'IVG aux États-Unis. Et en fait, on voit sur beaucoup de thématiques que le monde, dans son ensemble, est plutôt en train de reculer. Donc en fait, il y a un combat idéologique qui est en train d'être mené par l'extrême droite et que l'extrême droite est en train de le gagner progressivement. Donc il va falloir trouver effectivement les mots pour y répondre. Mais concrètement, que des lectures pour enfants qui soient organisées tout de suite, les polémiques vont sexualiser ça. Alors qu'il n'y a absolument rien qui tourne autour de la sexualité dans ce type de lecture. Mais tout de suite, parce que ce sont des drag queens, parce que ce seraient des minorités, comme vous dites, ou des homosexuels, etc., on va sexualiser ce débat-là. Enfin, même en termes de faits divers, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais j'ai cherché, trouvez-moi un fait divers qui concerne la pédophilie avec des drag queens. Bah, j'en ai pas trouvé. Par contre, autour des prêtres, il y en a beaucoup. Vous n'êtes pas choqué qu'il y ait des lectures d'enfants pour enfants qui soient organisées tout le temps par des prêtres, alors que le il y a des risques. Non, c'est un coup bas. Alors que chez les pasteurs, surtout, quoi. Mais c'est vraiment l'amalgame de base. Quel est le débat avec cette lecture pour les drag queens? Déjà, moi, je pense qu'il faudrait se poser une question un petit peu plus en amont. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est quoi une drag queen? Une drag queen, c'est un homme qui se déguise en femme, de manière un peu caricaturale, hypersexuée, etc. Bah, pas toujours sexuée. Non, mais hypersexuée. Le fait de la caricature va dans le sens de l'hypersexualisation. Mais pas toujours. Justement, toutes les drag queens... Écoute, il y a des soirées drag queen pas très loin d'ici, au Sucre. Je te jure, on vient avec Chantal Lanuit, qui est vraiment la star des drag queens lyonnaises, qui est instituteur dans sa vie publique. Il n'est pas du tout déguisé en personne sexualisée. Il est déguisé en femme, mais ce n'est pas sexualisé. Moi, à la bibliothèque Guillotière, je n'aurais pas supporté d'avoir des gens qui sont en hypersexualisation, hein, vraiment. Alors, admettons, mais viens, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que... Les soirées garçons sauvages, voilà, on va en soirée garçons sauvages, toi et moi. Le déguisement, et encore une fois, ce n'est pas un discours anti-drag queen, je n'ai absolument rien contre les drag queens, mais la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'on passe d'une scène de cabaret, de très très nombreuses années, comment on passe d'une scène de cabaret à une école devant des enfants? C'est ça la question que je voudrais poser. Non, mais ça, c'est une question intéressante. Avec des clowns, des comédiens, enfin, c'est quand même un classique. Dans le 9e, c'était plus des clowns, d'ailleurs. Quand j'ai vu les photos, c'était plus des mais t'as vu que c'était pas sexualisé. Là, on est d'accord. Bon, mais alors, quand tu vas voir un spectacle de drag queen, c'est souvent... Oui, mais là, c'était pas un spectacle de drag queen. Mais je parle pas de... Il y en a pour adultes, oui. Justement, en train de dire... C'était pas le 9e. Il y a des films pour enfants et des films pour adultes. C'est pour ça que je dis que dans le 9e, c'était plus des clowns pour moi que des drag queens. Voilà, mais on est d'accord là-dessus. Le problème, il n'est pas là. C'est comment on passe d'une scène de cabaret à une école. C'est quoi l'idée? Pourquoi on en arrive là? Parce que c'est quand même ça la question qu'il faut se poser. On est en plein débat aujourd'hui sur l'identité sexuelle, voire la déconstruction de l'identité sexuelle. C'est-à-dire on essaye de partir du principe qu'il faut qu'on s'autodétermine nous-mêmes et que la détermination de son sexe, d'un homme ou une femme. Non, mais c'est pas ce que... Je le sais. Je fais un raisonnement pour le moment. Je ne condamne pas. Je fais un raisonnement. C'est-à-dire que ceux qui prônent l'autodétermination, c'est-à-dire qui refusent d'être déterminés homme-femme à la naissance parce que c'est une sorte d'aliénation... Alors, du coup, vous avez peur de quoi? Que ce soit contagieux auprès des enfants, c'est ça? Voilà. Je ne dis pas ça. Je dis que la réflexion qui me semble utile, juste et intéressante sur ces questions-là, elle doit se faire à un moment donné dans la vie d'une personne, peut-être pas quand il a 8 ou 10 ans, voire 0 à 3 ans, comme ça avait été le cas pour des lectures à Bordeaux, par exemple. À un moment donné, ce genre de discours-là, il faut le faire à partir où les gens sont à même d'avoir de porter une réflexion dessus. Et moi, je pense que toutes les tensions, elles viennent de là.
C'est pas tant que la drag queen, elle raconte une histoire, surtout que les histoires qui ont été racontées dans le 9e, ce sont des vrais contes pour enfants et pas du tout des messages politiques. Donc c'est plutôt, de ce point de vue-là, très bien. Mais la question que je pose, il y en a deux, c'est pourquoi une drag queen, elle passe d'une performance en cabaret à une école pour raconter des etc. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et ça mérite qu'on se pose la question. Et la deuxième, c'est de dire... Aujourd'hui, les drag queens sont devenus, en quelque sorte, sont utilisés ou sont devenus les porte-parole ou sont manipulés pour, par tous ceux qui prônent la déconstruction. Je dis pas qu'il faut la faire. Mais non, elles pas sont du pas tout. Forcément porte-parole. C'est plutôt, on est plutôt dans une banalisation, au contraire. Moi, quand je les ai fait intervenir, au contraire, c'est pour banaliser cet acte-là. Moi, c'est vraiment dans le sens inverse. À la bibliothèque de la Guillotière, c'est pour dire, voilà, regardez, c'est quelque chose comme ça, ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire qui porte un discours politique derrière. On peut en parler, et c'est même plutôt sain d'en parler, mais est-ce qu'il faut le faire devant des enfants de 8 ans? Mais franchement, après, c'est peut-être on peut aussi dire, mais c'est... Alors que, bon, mais on aurait quand dû on est dans une... Psychologiquement, je ne suis pas certain qu'un enfant... On peut aussi rendre ça la responsabilité des parents. Un pays quand même de liberté et de responsabilité. Quand les parents jugent, il y avait que 8 personnes qui étaient la moitié des élus. Apparemment, il y a quand même beaucoup de parents qui ont eu peur de venir vu les manifestants. Il fallait effectivement oser y aller. Pour faire une synthèse, il vaut mieux que les parents ils emmènent leurs enfants voir des drag queens qu'ils les laissent traîner dans la rue à Bron à 16h. À 22h ou à mes yeux ou ailleurs. Après, les parents sont assez grands. Les choses sont annoncées clairement. On pourrait revenir sur le débat sur des grands prix, c'est exactement la même chose. C'était pas dans les temps scolaires, etc. Tant que les parents savent ce que leurs enfants vont voir et qu'ils se décident de les amener, c'est pas laisser la liberté aux gens pour toi. Chacun votre tour. Mais justement, moi je dis, c'est marrant parce que j'entends bien le discours de dire c'est l'extrême droite se mobilise là-dessus, donc on est forcément des réactionnaires si on se pose ce genre de questions. Ah, mais non, personne n'a dit ça. Non, mais d'un autre côté, quand on met des drag queens devant des enfants en bas âge, 8 ans, c'est quand même pas très grand, on joue aussi un peu la provocation. Enfin, c'est des gens qui existent dans la société. Il faudrait les panier avec la relation avec les enfants. C'est pas être dans une école. Enfin, à un moment donné, ce qui est fou dans ce que vous dites, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, toutes sortes de gens existent dans la société. Et pour vous, il y en a qui auraient le droit d'être en contact des enfants et d'autres non. Ce qu'Emmanuel est en train de dire, c'est que la drag queen, elle pose des questions sur son apparence. Elle pose naturellement des questions. Un prêtre aussi, hein. Désir, mise en femme, etc. Mais on est d'accord, mais sauf que quand on aborde des questions sur l'autodétermination en termes de genre... C'est pas avec des enfants de 8 ans qu'on va en parler. Mais c'est pas de ça qu'ils ont parlé, les drag queens. Mais c'est pas, on est bien d'accord que c'est pas avec ça. C'est pas alors, ça dont ils ont parlé. Mais je dis que vous n'avez pas envie d'en parler à vos enfants, mais c'est. Vous savez que les enfants sont tout à fait capables d'en parler. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai 4 enfants, vous croyez qu'on n'a jamais abordé ces sujets? Et alors? Mais dès lors des parents. Je n'ai pas parlé avec eux quand ils avaient 8 ans, c'est sûr ça. Ça, c'est sûr. Chaque parent choisit l'âge peut-être où il aborde ces questions. Bien sûr, mais ce que je dis, c'est pas ce qui s'est passé dans le 9e. C'est que je dis, cette question-là, elle se pose. Parce qu'elle intervient dans si on déresponsabilise les parents, c'est la même chose que quand, quand j'emmène mes enfants au temple protestant, j'ai des gens pour me dire « Ah mais non, mais c'est pas bien d'exposer les enfants à la religion dès leur jeune âge. » Enfin, voilà, au bout d'un moment, on peut plus rien faire avec ses enfants à ce moment-là. On peut plus les amener voir les drag queens, on peut plus les amener au temple, on peut plus faire ci, on peut plus faire ça. Enfin, ça devient un truc de fou. Je vous propose de redistribuer la parole à Damien, parce que je l'ai coupé et du coup, il croit qu'il a plus longtemps. Il y a juste un point hyper positif, c'est que ça a permis pour la première fois citer le nom de la mère de 9e que personne ne connaissait. Même pas. Donc, enfin, on en a parlé. Je vais le faire, Anne Brébant. Voilà, et sinon, on est, en fait, sur le fond, on est tous d'accord. C'est-à-dire que les drag queens, elles vivent leur vie, on les respecte, etc. Tel que ça a été présenté au début, ou mal présenté en tout cas, c'est qu'on a pu penser à un moment qu'on allait dans une démarche de prosélytisme. Or, le prosélytisme, quel qu'il soit, je trouve que, et là je rejoins complètement Emmanuel, je trouve que des enfants à un certain âge ne sont pas aptes à comprendre. Et je suis d'accord sur la religion aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut pas imposer pas à des enfants dans à certaines églises, choses. Alors. Non mais... Oula, il y a une différence. Dans une église, il y a du prosélytisme, excusez-moi, c'est même le rôle. Dans les religions, en tout cas dans la mienne, il y a des actes qui sont des actes volontaires en vieillissant petit à petit et qui sont des...
actes de dire je fais ma première communion. On amène les catholiques à amener leurs enfants. On ne va pas parler de religion ici, on ne sera pas d'accord sur la démarche, on n'a pas la même approche de la religion, on ne va pas refaire le débat des religions. Mais c'est culturel dans les deux cas. Mais non, c'est pas culturel. Je dis juste que tel que ça a été présenté, mal présenté, on pouvait penser à un moment ou un autre que c'était un échange entre des drag queens et des enfants pour même si c'est pour leur présenter, pas faire du prosélytisme, et qu'à 8 ans, on n'est pas en âge d'analyser ce genre de choses. Tout simplement. Mais ça, c'est la lecture qu'on a fait Reconquête. Brabant l'a jamais présenté comme ça. Mais c'est ce que je dis. C'est juste ce que j'ai. Le problème, c'est qu'on ne peut pas finir une phrase avec Romain Blechier. Il ne faut pas lire que les commentaires de Reconquête. Il faut lire aussi ce que disent les gens. Mais pourquoi? Parce que l'affaire, elle sort dans la bouche de Reconquête. Et que la seule info qui sort sur la place publique, la mairie du 9e, elle a communiqué là-dessus. Comme l'a dit Grandpré, l'affaire sort dans la bouche de Pierre Oliver. Les infos de la mairie du 9e qui sont sorties, ce qui m'a permis de découvrir le nom de Madame le maire, pour une fois. Madame la maire ou le maire, peu importe. Mais on est en démocratie. Si je veux dire Madame le maire, je dis Madame le maire. C'est pas Romain Blechier qui va m'expliquer le français. Elle a le droit de se faire appeler comme elle veut. Non, mais il s'adresse pas à la tolérance, elle doit fonctionner dans les deux sens. Et c'est marrant parce que les gens qui donnent des leçons de tolérance sont les plus intolérants. Et alors, Romain Blechier, il est au top du top de l'intolérance. On peut pas finir une phrase. On peut pas finir une phrase. On peut pas faire une démonstration. En fait, on peut. Mais le respect, c'est laisser les gens finir leurs phrases. Et ça, c'est un truc qui a l'air de vous échapper, monsieur Blechier, a priori. Donc, ma démonstration, j'ai essayé de faire 10 fois, je l'arrête parce qu'on ne peut pas la faire avec des gens qui vous coupent la parole tout le temps. On n'est pas d'accord. On ne sera jamais d'accord. Mais on peut quand même en discuter. Et en discuter, c'est-à-dire déjà laisser parler l'autre. Ça, c'est la démonstration de la tolérance. Alors, venir nous dire toute la journée, il faut être tolérant avec les minorités, etc. OK, mais déjà, soyons tolérants entre nous quand on se parle et qu'on essaie de faire une démonstration. Il y a un moment, il faut arrêter. On ne peut pas débattre avec des gens. Ça fait 4 minutes que tu dis que tu ne peux pas parler. Oui, oui. Vous avez commencé en disant quoi? On était d'accord et finissez en disant quoi? Mais je suis d'accord, mais je peux même pas l'expliquer quand je suis d'accord. C'est quand même, c'est ça qui est incroyable. Donc il y a un moment, il faut que les gens qui prennent la tolérance toute la journée soient les premiers à faire une démonstration de tolérance. Vous voulez pas terminer sur une note positive pour la dernière de la saison? Si, on connaît maintenant le nom de la maire du 9e, c'est hyper positif ça. Très bien. C'est à peu près tout ce qu'on va retenir de son mandat. Donc, comme on a un peu débordé, on va s'arrêter là. C'est la fin de notre émission du jour. Merci de votre fidélité. L'actualité continuera bien sûr sur lyonmag.com. Lyon Politique fait sa pause estivale. Passez d'excellentes vacances.